Le groupe Cavac, constructeur d'ouvrages publics et privés, s'est diversifié dans la promotion immobilière et poursuit son expansion dans les métiers de l'immobilier. Le groupe Cavac est à la recherche de fonciers. Vous vendez? Vous avez un projet? Rendez-vous sur www.cavacgroup.com. Nous sommes le jeudi 5 décembre. Bonjour, bienvenue sur tv4.fr. Au départ de plusieurs points stratégiques de Perpignan, les cortèges ont rassemblé entre 9600 grévistes selon la police et 15000 selon les syndicats. Ce matin à 10h30, un important rassemblement s'est tenu place Catalogne face aux Dames de France avant de converger vers le pont Arago pour terminer au Castillet. Parmi eux, avocats, pompiers, personnel hospitalier, techniciens du spectacle ou gilets jaunes convergés avec la même ambition, faire plier le gouvernement sur la question épineuse de la réforme des retraites. Selon la réponse de la secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire, Emmanuel Varpon, à Roulan-Courteau, sénateur audois, n'espérez pas vous déplacer à grande vitesse sur les rails de la SNCF avant 2040 entre Montpellier et Perpignan et 2030 entre Béziers et la capitale héraultaise. Un dossier épineux qui n'a de cesse d'être reporté, ralenti, repris et reconduit depuis près d'un demi-siècle. Pourtant reconnu comme projet d'intérêt général, la ligne a du mal à voir le jour. Pour l'instant, les fonds sont recherchés afin de financer les études préalables nécessaires à l'enquête publique. À compter du 1er janvier 2020, la durée légale des soldes est réduite à 4 semaines au lieu de 6 précédemment. Pour le département des Pyrénées-Orientales, les soldes d'hiver suivent le régime général. Ils se dérouleront entre le mercredi 8 janvier 2020 et le mardi 4 février 2020 inclus. Concernant la période d'été, les soldes dérogent au régime général. Ils débuteront une semaine après les soldes nationaux, soit le mercredi 1er juillet 2020 pour s'achever le mardi 28 juillet 2020 inclus. À noter que la ville de Perpignan a publié l'arrêté municipal autorisant les ouvertures exceptionnelles les dimanches des commerces de détail pour l'année 2020. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez ce flash info sur notre site internet tv4.fr ainsi que sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. À demain pour un nouveau flash.